Bon, alors là, on est sur un chauffe-eau ELM. Je vais le rallumer. J'appuie ici. Je laisse appuyer pendant quelques secondes. Là, on a un gros souci sur le chauffe-eau. J'ai mis une valve eau neuve. Elle est là. Et ça fait ce symptôme-là. Vous voyez, en relâchant ici, j'ai les flammes qui se déclenchent et qui ne s'arrêtent jamais. Quelques secondes après, le chauffe-eau, il tombe en surchauffe. Si vous voulez, normalement, on ne devrait pas avoir les flammes qui s'allument ici qu'avant d'être sur cette position-là. Là, on est en qu'avant d'être sur cette position-là. Et d'avoir le robinet d'eau ouvert. Et là, fondamentalement, dès qu'on relâche, ça reste allumé, ce qui signifie que le problème vient de l'ensemble du mécanisme gaz. Dans un cas pareil, il faut changer le bloc gaz ou si le chauffe-eau est beaucoup trop vieux, je vous conseille de changer plutôt l'appareil.